Salut à tous les amis, on est de retour pour la suite de notre aventure Sugori de l'Écarlège. On s'est arrêté ici la fois dernière, on va aller visiter un petit peu les étages de cette zone parce que grâce à ce qu'on a débloqué, hein, les petites clés et tout, etc. Ça nous permettra d'ouvrir des petites choses et peut-être débloquer des petites tenues ou des choses comme ça. Et c'est ce qu'on va faire avant de continuer le niveau 6. C'est parti. You can go home. No, I'll take him there. I created him, so it's only right if I do it. Gori, listen. I'm going to bring you with me, okay? You're leaving this place forever, and you're going to be fine. Just trust me. You have to stay quiet now. Bon, on a atterri sur une plage. Donc on va voir ce qui s'y passe dans cette zone. Je vois un truc là-bas au fond. On va le prendre, des petits sous-sous. Et on va voir dans quel genre de monde on va atterrir. Parce que là, après les bandes d'arcade, les maisons des poupées, enfin le château des poupées... Et les fonds marins, entre guillemets, hein, espèce de sous-marin. On va voir où est-ce qu'on va atterrir. Thank you.
army.
slime melts you pretty, pretty far away. I'll give you a hint. X is not down here. Bon, ok. Apparemment, d'après ce qu'on voit, on est sûrement... On est sûrement peut-être dans un cirque. Je pense. Ça fait très cirque, hein, parce qu'il y a des clowns, il y a des... ouais. Ça doit être un petit genre de cirque. On est dans un cirque. Ça, c'est sûr. Voilà, le domaine un petit peu rouge et blanc. Voilà. Ok. Alors... Ouais, ouais, c'est le cirque. Avec les manèges, les clowns, ça peut être que ça. Bon. Très bien, très bien. De toute façon, on va tout fouiller. Hein. Enfin, du moins qu'on peut. Alors, le monstre du carnaval. Ça ne serait pas trop drôle sans... J'ai pas eu le temps de lire. Allez, on va y voir ce qui nous attend là. Ok, j'ai même pas vu qu'il y avait un qu'il y avait une cible. Ok, deuxième partie fait. Et là on l'enchaîne normalement. Ouais, ok. J'ai pas eu assez de puissance. Donc on va le refaire. Ah non, c'est bon, ok. Autant pour moi. C'est fait, c'est fait. Bon, bah parfait. On continue d'avancer. Ah, désolé, hein, si je parle pas beaucoup, hein, comme je vous l'ai dit, ben, mais on avance quand même. Maybe tell him a funny story? I hate
Bon, allez, continuons dans ce couloir. Ah, encore une grosse zone. Oh, ça va être encore l'histoire du cheval, là, et tout ça, là. Il faudra activer à chaque fois. Ok. Bon, là, il y aura plein d'ennemis. Après, il faudra forcément ouvrir une porte avec le cheval, sonner sur le gong et tout, etc. Comme au début du niveau. Ok. Jusqu'au boss final du chapitre.
month's anxiety bug. Rip! Now, let's get the there!
Bon, on l'affronte encore une fois ce boss. On l'avait déjà affronté dans un niveau. Et là, ça va être le même système qu'on a eu jusqu'à maintenant, depuis le début du chapitre. Faudra éclater les trucs pour faire déguerpir le cheval et tout, etc. Et il faudra viser le boss dans son œil et tout, etc. Je pense. Bon, on connaît un peu le système, normalement ça devrait le faire.
seconds. No. No. I can't fight her. Must bring her glory. Oh, 5 seconds. The only thing that can soothe her. Overkill. I love that! What have you done? My body! Regenerate from that, you piece of shit! I have it all. She can get out. Her rage grew out of control. Had to lock her up. Believe me, the traitor brother would soothe her. She would love us again. Pinky always loved her children. Nothing will stop her rage now. Voilà pour cette partie de Gorille Gueule et Carrelage. J'espère que ça t'a plu, like et partagé, et on se retrouvera pour le chapitre, enfin le niveau suivant, lors d'une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.